Attention, cette vidéo contient du spoil. Encanto est un film maléfique, plein de chansons entraînantes, de magie et de questions restées sans réponse. À ce sujet, de nombreuses théories foisonnent sur le net. Voici la mienne. Promis, je ne parlerai pas de Bruno. Les Madrigals sont une famille où chacun de ses membres possède un pouvoir spécifique, sauf évidemment Mirabel, l'héroïne du film. Mais qu'en est-il réellement du pouvoir de Abuela? Elle est certes à l'origine d'Encanto, de la Casita et des pouvoirs de la famille, mais en soi, elle n'en possède pas personnellement. On peut supposer qu'elle n'est au bout du compte une sorte de gardienne de la magie, représentée ici par une bougie. Quoique, elle exerce pourtant bien un pouvoir, celui de l'autorité. Un pouvoir non magique mais nécessaire à la cohésion du groupe. Elle est la matriarche, elle dirige et protège sa famille. C'est elle qui a instauré la règle que les pouvoirs devaient principalement servir à la communauté. C'est elle qui a le dernier mot sur les décisions importantes à prendre, à éduquer ses enfants et parfois même éduque ses petits-enfants. Seulement voilà, Abuela n'est pas éternelle et une telle responsabilité est une lourde charge à porter. Toutes ces années l'ont rendue aigrie et elle commence à faire des erreurs de jugement. Ça, la Casita ne peut se le permettre car contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas la bougie qui alimente le pouvoir de toute la famille, mais c'est son gardien qui fournit sa puissance à la magie. Les émotions telles que l'amour, l'espoir, les liens familiaux servent de carburant à la flamme. Il lui faut donc trouver un successeur. La Casita choisit alors la petite Mirabel et lui refuse l'accès à son pouvoir. Parce que le rôle de la gardienne est de se consacrer essentiellement au bien-être de la famille et au maintien de la magie. S'il lui avait donné un pouvoir, elle aurait dû l'utiliser pour servir la communauté, comme les autres. Elle doit avant tout veiller sur la magie, pas de l'utiliser. Mais à cet instant, c'est la confusion chez les Madrigal. C'était la première fois que se produit ce genre de choses. Et la Casita étant incapable de s'expliquer, la famille ne comprend pas et Mirabel sera considérée comme le vilain petit canard. Malgré ça, Mirabel va inconsciemment effectuer son rôle. Elle est pleine d'énergie, de joie de vivre, soutient sa famille, les réconforte, leur fera même des petites attentions. Elle est toujours prête à aider et à rendre service, même si on lui rabâche sans cesse qu'elle ne devrait rien faire. Conseil, petite sœur, évite d'en faire trop, tu gênes, t'es toujours en plein milieu. Ça s'appelle se rendre utile, aider les autres, tu comprends? Et c'est pas moi, c'est toi qui es toujours... Elle aura une certaine alchimie avec la maison, qui l'aide pour les tâches ménagères, communique avec elle comme si c'était un membre de la famille à part entière, et comprend ce qu'elle lui dit, contrairement aux autres qui semblent juste vivre dedans. Elle est la seule à remarquer que la maison va mal et se démène pour en trouver la cause et le remède. J'ai l'impression que tu oublies l'essentiel. Le sort des Madrigals ne dépend pas de ta sœur, il dépend de toi. Tu es exactement ce que la famille attendait. Il faut que tu le comprennes. Si la maison finit par s'écrouler, c'est parce que le cœur des gardiennes s'est ébranlé. Malgré tout, la Casita soutiendra Mirabel dans tout ce qu'elle fait et la protégera quand la maison tombera en ruine sur elle, jusqu'au dernier instant. Plus tard, en reconstruisant la maison, c'est comme si la famille se reconstruisait. Et quand on confie à Mirabel la poignée de la porte d'entrée, dernier élément à mettre en place, avec un M gravé dessus, c'est comme une forme de passage de flambeau. Il est possible que la magie se soit insufflée en elle au moment de s'éteindre et qu'elle s'est révélée lorsque Mirabel réalise enfin qu'elle est sa véritable place au sein des Madrigal et que toute sa famille la reconnaît comme telle. Ce que j'espère dans cette histoire, c'est que dans une ou deux générations, quand Mirabel montrera des signes de faiblesse et qu'au même moment un enfant verra sa porte magique disparaître sous ses yeux, ils comprendront et sauront ce que cela signifie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, likez et partagez si vous avez aimé. Bye.